Et plop les gens! De retour avec Madeline, son carnet et son ascension du mont Céleste. Donc on reprend notre petit carnet pour vous indiquer un petit résumé de là où nous en sommes. Nous avons donc 21 fraises sur 20 sur le... à la cité abandonnée dans le monde 1. Et nous avons le petit drapeau doré. On voit le nombre de morts, tout ça, tout ça, tout ça. Et apparemment, j'ai l'impression qu'on pourrait tomber jusqu'à 23 sur 20. Et on a toutes les fraises dorées. Voilà. Oh punaise, j'ai déjà presque 10 000 morts. C'est magique. 176 fraises. Ça, c'est mieux. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il n'y a que la face A du monde 1. On a complètement fini et on va s'attaquer au face C et on va voir ces nouveaux timings. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Pas du joli, je le crains, je le crains. C'est parti donc avec la face C ici. Hop. Évidemment. Non, je peux dasher. Oui. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah zut, j'étais un peu trop près du mur. Mince. Du coup, j'y étais pas allé à fond. J'avais peur qu'il se passe justement ce qui venait de se passer, mais ça aurait pas été si grave comme on l'a vu. Le dash un peu trop tôt. Attendez, j'ai pas l'habitude de streamer avec les manettes qui sont en train de charger. Du coup, je me rends compte que je tire un peu trop sur le fil, c'est pas cool. Zut. Non, j'étais trop bas de toute façon. Voilà. Alors ici. Ouais, vaut mieux se laisser projeter pour pouvoir aller là-bas. Et là... Faut se projeter. Oui. Oula. Compliqué. Ah, un truc que je voulais. Que j'ai vu sur un autre stream que je voulais recopier. Mince. J'ai oublié. J'ai oublié, j'ai oublié. Peut-être que je ferai une pause du coup pour vous rajouter ça. C'était cool. En gros. Le streamer utilisait Paint. Mince. Utilisait Paint comme un tableau blanc, un tableau noir qu'il pouvait mettre sur Céleste. Zut. Et du coup dessiner. Attendez, je vais vous le faire. Petite pause du coup, le temps de mettre tout ça en place. Alors, ce que j'ai voulu tester, pas trop comment je vais pouvoir voir avec le retour et tout, mais en gros, oh punaise, ça va être compliqué avec le retour là. Ce que je veux, c'est comme ça, ça se suffira. Si je fais ça, donc on va arriver là, on va sauter. Oh, elle est là. Oh, ça marche. C'est bien d'avoir une brush plus grosse, que la taille soit plus grosse. Bon, on définit la taille dans Paint. C'est pas comme si je l'utilisais jamais ce logiciel, mais un peu quand même. Size là.
comme ça. Ouais, ça se voit mieux. Voilà, et donc par exemple, juste pour montrer un petit exemple, même si c'est pas totalement nécessaire. Donc là, on va aller jusqu'ici avec le truc, on saute pour tomber pas là, par là. Hop. Et après, on... on dimensionne le truc un peu à l'arrache. Et après, on saute et on va là. Ouais. Et là, normalement, ça le fait disparaître. Non, ça le fait pas disparaître. Ok. Bon. J'ai une sorte de tableau blanc qui est encore un petit peu foireux, donc je vais le cacher. Attendez. Ouais, ça vous fait un cadre quand même. Donc je vais le cacher. Mais dans l'idée, si j'ai des choses à vous montrer comme ça, je vais essayer de m'en souvenir et de m'en servir. Hop, hop. Ici, je pourrais ne pas faire comme ça. J'ai lâché trop tôt. En vrai, j'ai l'impression que c'est super risqué de faire ça. Bon, alors ne pas sauter, c'est pas risqué, c'est suicidaire, c'est tout. Hop, hop. Hop, hop. Voilà. Et on y est. Alors, ainsi. Ici. Ah oui, j'avais vu ça. J'ai vu quelques Stex galérer. Lui. Bah, je vais ressortir le tableau. Très rapidement. Lui arrivait de. Arrivait du bord en fait avec un dash. Pour avoir un dash, réussissait à aller directement ici. Mais ça avait l'air super dur et aléatoire. Il vaut mieux réussir à sauter là. À faire zoop, zoop, que le truc descende. Une fois qu'il est en bas, on saute pas droit, on saute comme ça. Après, une fois qu'on est en haut, on fait ouh, hop, on se ragrippe. Et là, par contre, il va falloir dasher ici. Donc, on aura utilisé notre dash. On aurait utilisé notre dash, on va atterrir là. Le truc va descendre, va falloir sauter, mais on va pouvoir dasher vers le haut ici. Là pareil, on peut sauter puis dasher, on s'agrippe là. Et là le truc veut nous écraser, du coup avant qu'il nous écrase. Potentiellement, on va devoir dasher comme au début de ce niveau. Et essayer de viser pour atterrir là. Pour atterrir. Pendant que le truc se déplace, on aura plus de temps. On pourra redasher d'ailleurs, vu qu'on sera atterri à plat. On pourra redasher vers le haut ou quoi. Et là, là, je sais pas si on aura de la vitesse. Est-ce qu'on aura de la vitesse ici ? Parce que ce truc-là, je pense qu'il va monter. Ou il va se mettre un peu plus bas, je sais pas. Oh, il y a un cœur. Ah, il y a un cœur et c'est la fin du niveau? Non, quand même pas. C'est déjà la fin du niveau A après? Peut-être. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. C'est d'y arriver. Hop, hop. Et je me suis rabattu trop lentement. Arrivé un peu trop haut. Un peu trop bas pour le dash. Hop.
Zut, j'ai essayé de me rapprocher un peu trop vite. Oui, bon. Ça, ça va pas le faire, ok. Très bien. Hop. Oh, aïe, 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 on a un pont. Les plateformes sont petites, hein. On n'a pas envie de se prendre les pics. Mais du coup... Pardon, mais du coup... Soit on fait le trajet trop tard. Donc soit on est un peu trop rapide et on se prend les pics. Ah non! Allez, on va y arriver. Censé être au moins faisable. Ah zut! Elle a plus voulu dasher. Sauter puis dasher, donc peut-être faire un dash vertical. Hein. Non, j'ai déjà fait mon dash ici, donc je pourrais pas le faire à la fin du trajet comme je le pensais au début. Comme je vous l'avais expliqué il y a 2 secondes. Donc là, je suis obligé de le faire. Non, ici par contre je dois le faire. Très bien. Hop, hop, hop. Un peu tard. Mais ça devrait y arriver. Ah, il se met plus au milieu. Et il faut sûrement se retomber sur le bloc, puisqu'il a l'air d'avoir pas mal de vitesse pour reprendre sa position initiale, là, celui-là. Hop. Et zut, j'ai failli l'avoir. Et donc oui, comme je le disais, alors en titre de VOD je sais pas encore, mais sûrement, et au moins en titre de Twitch, de stream. C'est bizarre, cette cassette a 3 faces, il y a 3 faces pour gravir le Mont Céleste sur une seule cassette. Ok, ici ça va. Ouais. Zut. Je me suis trop agrippé. Oh putain, de dire que si on veut le vrai 100% du jeu, il va falloir faire ça sans mourir pour avoir une fraise dorée. Pourquoi j'ai lâché? Je ne sais pas pourquoi j'ai lâché. Hop, hop, hop. Aïe.
c'est bien plus simple de faire comme ça que d'essayer. Oula. C'est chaud. Ou alors je vais tout à droite, peut-être. Ce qui est bien, c'est que ça nous entraîne, hein, au moins. Allez. Ouais, non, là j'ai dashé alors que il le fallait clairement pas. On va y arriver, on va y arriver dès que je... À la limite, si... Mince, si je réussis ce niveau-là plutôt vite, on pourrait se tenter la fraise. Si c'est bien juste là, il y a quoi? Il y a trois tableaux. Chacun assez difficile, mais ça reste dans le domaine du faisable. Alors que le B, clairement, là où je m'en étais arrêté à la fin du dernier épisode, normalement, de réexploration du B, pour moi, c'est pas faisable, tout simplement. Aïe, 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 aïe. J'ai pas gardé l'élan. Hop, hop, là. Oh non. Mais... Oui, j'avais dit sinon elle est tout à droite peut-être. Hop, mais trop tôt. Allez, hop, hop, hop. Ouf. Immense. Ah zut. Voilà. Ouf. Ça aura presque pu, hein. Non, là je me suis laissé avoir. En fait, ici on est censé pouvoir faire ça. Hein. C'est presque. C'est juste que vu qu'on reste longtemps accroché. Ouais, non. Un saut de trop. Rester longtemps accroché, ça utilise peut-être plus d'énergie que de rester en l'air. Là, j'ai vraiment un doute sur comment faire. Wait.
Ouais, on peut atteindre les pics, donc logiquement on peut atteindre sous les pics. Et si on atteint sous les pics, et plop flow. Ouh, on a réussi. Ouh, ouh, ouh. Alors, oui. La pression, mais c'est bon. On a réussi. T'arrives pile au bon moment, Flo. On récupère notre premier cœur de la face C. Ah, y a pas de texte. D'accord. Et plop la Dolly. Voilà, face C terminée. Merci d'avoir suivi. Oh, c'est bon, quand même pas. Seulement 107 morts, ça va. Ça va, ça va. Et du coup, là, si je recommence... Ah, il y a bien... Il y a bien une histoire de fraise dorée qui s'est enclenchée. Voilà, le premier niveau, il est facile. Le deuxième, il est moyen. Le troisième, il est dur. Voilà, déjà. Les fraises dorées. Ouais, non, mais les fraises dorées. Je vais essayer de faire celui-là. Mais en vrai, je pense pas les faire à... Oh zut. Les faire toutes les fraises dorées. On a 18. Sur combien, du coup? Alors que tu speedrun le jeu et tout, tu les as jamais tout eus. Ok, ça allait. Et c'est cette partie-là qui va être beaucoup plus compliquée. Mais bon, on vient de s'entraîner dessus. Donc il y a des choses qui seront plus faciles que si on revenait tout à l'heure. Tard. Oh punaise, j'ai réussi direct. Va Golden les faces B. Ouais bah j'ai essayé le 1B, j'ai fait non. J'ai fait non. Ok. Face C terminé avec la Golden. Et ça nous a pas doublé le nombre de morts. Ça c'est cool. Ouais non, là j'ai pas la dorée, là j'ai adoré. Est-ce qu'il y a combien de niveaux déjà? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 8, 16. Et 8, 32, non? C'est pas un truc du genre. Non, je sais plus, un truc du genre. Donc t'en as 18, donc t'as genre toutes les A, toutes les C, reste doré et quelques B, genre 2 ou 3, c'est ça. Et je pense pas à celle de Farewell. Faut faire ce que tu as fait, tenter le Golden juste après avoir fini le niveau. Ouais. Bah on va voir, suivant les niveaux, hein, parce que genre le sommet, s'il est aussi long qu'en face A ou B, c'est mort. Le site ancien, chapitre 2, on va enchaîner. Ça commence mal. Voilà, ça commence suffisamment mal, j'ai dashé. T'as pas 6, 7, 8A et 3, 4, 6, 7, 8B. Ok, mais pour les C, du coup, t'as enchaîné. Ah zut. Ah mais non, mais... Oui, mais maintenant que j'ai fait ça, je peux plus rien faire, punaise.
Oh punaise, le chemin de... relou. Les C c'est les plus simples, ok. Bah le... Ouais, 6, 7, 8, A, c'est des chapitres de plus en plus longs et durs, donc... je comprends. Alors là, on dash, on se laisse tomber. Hein? Attendez, c'est le moment de ressortir le tableau. D'essayer de le ressortir. Alors, là, ce que je comprends... Donc, on va commencer... ici on saute et là on dash. Là ça va. On se laisse tomber. Ça va déjà moins. Ah si, on se laisse tomber jusque là. On dash en diagonale et on dash en verticale. Après on revient et on fait ça. Je suppose. Hein. Oh, mais c'est. Ah oui, c'était que le début. Ah oui! Ah oui, le C c'est le plus simple et voilà le niveau quoi. Bon après, on n'est pas censé mourir donc... Mais on n'est pas censé avoir trop le temps de se rappeler le niveau, enfin si... Bref, donc si j'enlève ça... On en était là, donc là... on a la fin avec notre saut. On fait un dash je suppose vertical. Un dash horizontal, on descend, un dash horizontal. Dash vertical, dash horizontal, donc tout ça, ça va. Ça va, ça va. Donc là, à la fin, il va falloir... donc on a le dash, il va falloir sauter. De quoi? Ah, faut sauter. Retomber ici. Et après, faire un dash. Faire un dash. Faire un dash. Faire un dash. Et faire un dash. Là, je vous efface tout. Là, faut pas oublier de s'agripper. On se laisse tomber avec une légère pente sur la droite. On se réagrippe. Ou on peut dasher direct. Là, il y a le petit saut. Ça devrait aller. C'est juste que... Voilà, pareil, petit saut. Voilà, repareil, petit saut. Je suppose que ça fera que cette plateforme arrivera là. Donc là, il va falloir bien sauter. Ça va être compliqué et après et voir à quoi ça ressemble quoi. Ouais, ça risque de pas être facile quand même ce tableau. Genre là déjà ça fait pas ce qu'on veut. Je vous avais dit que je voulais juste tomber. Donc là je freine, j'essaie de redasher, non ça le fait pas. Ah peut-être en allant vraiment... Ah c'est chaud. Je me fais cuire des œufs à la bouilloire. Ah, et ben... Bon courage la Doline. À la bouilloire. C'est chelou non? Ah oh, punaise, mais tu fais comment à ce truc là? Galère d'étudiant. Oui. Ouais, on fait comme ça en fait. Ok. Là, fallait pas oublier de sauter. Ok, non, j'ai fait un imp, j'ai oublié d'agripper. Par contre, pour le... Ouais. Pour la fraise dorée, il va pas falloir oublier tout ça et ça va être compliqué si ouais, si on l'a pas gardé dans les doigts. Sérieux? Et mince. Après, t'as beau être étudiant, je suppose que t'as quand même une casserole. Genre les pâtes, tu les fais quand même pas à la bouilloire.
Moi, c'était plutôt le genre le si je voulais me faire du thé. Mince. Si je voulais me faire du thé, j'avais la casserole, hein, donc la bouilloire. Après, je m'en faisais pas des masses. Hop. Voilà. Ah, un peu trop bas. C'est compliqué. La cuisine est en dehors de ma chambre et flemme de sortir. Ah! Ah oui! Cuisine commune, oui. Ça, par contre, j'ai pas connu. J'en suis bien content. Mais je comprends mieux. Oh là là, il y a beaucoup de sauts de bêche défilés ici. Allez. Non, ça ne marchera pas. Voilà. Nien. Allez, le dernier, j'ai du mal. Hein. Chaque fois, j'ai la tête ou les pieds à moitié dans le mur dans ce bloc-là. Hop, hop. Allez, j'y étais presque. Ah, j'essaie de dasher trop vite. Ah, un dash un peu trop tôt pour une fois que j'y étais. Parce que ça aussi, il va falloir se le mettre dans les doigts. Non. On va pas le faire. Et dire qu'il y a besoin de ces trucs-là. Oh! Ça pourrait le faire aussi. Mais non. Non, non. Par contre, là, faut que je me laisse tomber. Le bloc tout à la fin qui est alimenté. Oh là là, qui est alimenté par ces trucs là, c'est complexe. Dès le début, faut pas les oublier. Autrement, je m'en fous, je saute pour apprendre petit à petit, mais ça veut dire un peu désapprendre le parcours propre. Pour devoir leur réapprendre après dans les automatismes. Je pense que c'est pas une bonne idée. Hop, hop. Voilà. Là, j'étais bien au centre. J'essayais d'acheter trop tôt. Non. Oh, les pics sur les côtés, ils sont relous quand même. Oh, aïe aïe aïe. Non. Bug, ah bon?
Ah! Oula! Effectivement. Propriété désactivée, activée. Désactivée. Oula, la capture audio qui ne veut plus marcher comme il faut. Ok, bah, petite pause dans la vidéo, le temps de voir si je peux régler ça. Oui, relève VOD. Alors, je suppose que vous pouvez m'entendre. J'ai des gros soucis là tout de suite avec mon PC. Je vais le redémarrer, tout ça pour le live. J'aurai la flemme de vous faire un montage juste pour recoller les deux parties. Mais vu qu'on a déjà fait le monde 1 en entier, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. J'espère pouvoir refaire marcher mon boîtier de capture, tout ça, pour refaire un épisode très vite. Sinon, ça va être compliqué. Voilà. À bientôt pour un nouvel épisode, hein. Désolé pour l'inconvénient.